Mais salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Mindplex. Alors, comme je serai au TGS à partir de ce week-end, je me suis dit que j'allais faire une petite vidéo Mindplex pour vous occuper, parce que, évidemment, j'ai dû faire des vidéos à l'avance, donc je me retrouve avec rien, pas assez de temps pour faire l'épisode d'FTP. Donc les épisodes de FTP reprendront la semaine prochaine. Et du coup, on va faire des mini-jeux un peu ce vendredi et dimanche aussi, histoire qu'il y ait du contenu pour vous. Il y a une citrouille qui vole là. Qu'est-ce que tu fais? What the fuck? Qu'est-ce qui se passe? Il se passe des drôles de choses ici. Alors, il y a des nouveaux jeux sur Mindplex. Il y avait ici, il n'y a pas de nouveauté à part celui-là, le Mini Strike. Le Mini Strike, c'est apparemment comme du Counter Strike. Donc, ils l'ont fait avant Hypixel, et du coup c'est ça que j'ai vu dans mes commentaires, que quelqu'un a dit que Hypixel avait copié Mindplex en faisant ça, mais c'est pas vraiment une copie de Mindplex, je suis désolé, parce que c'est un jeu original et à mon avis ils ont plutôt eu l'idée en même temps, et Mindplex a été plus rapide pour le faire tout simplement. Il y a aussi le Champions qui est un nouveau mode de jeu en Team Deathmatch. Alors c'est comme le Dominate, sauf que quand vous mourrez vous respawnez pas, donc c'est en fait très stupide, je dois bien l'avouer, parce que vous allez mourir aussi bien très vite et puis ne jamais respawn. Du coup, j'ai fait une partie, il y avait des gens qui campaient et tout ça. Ça ne met pas des bonnes, on va dire des bonnes habitudes aux gens. Donc on va faire le mind track, voir un peu ce que ça donne. Hop, je vois une game pratiquement remplie, donc on va le prendre. Il y a un pack de textures spéciales, donc on va se télécharger. Oh, il y a du vilain son, je vais baisser un peu. Voilà. Ah, ok, j'ai dû pas joiner assez vite parce que je suis en mode spectateur. Ah ouais, ils ont mieux fait les maps limite. En plus, le pack de textures est plus adapté, on va dire, pour Counter-Strike. Juste envie de voir, parce que je vais te TP à la prochaine manche, hein, vu que je suis en mode spectateur, donc il faut juste que j'attende que la manche est finie. Et les terroristes ont gagné, voilà. Et du coup, on va pouvoir jouer, voilà. Ok, donc on a un Glock, un couteau. Et ça c'est pour traquer la bombe apparemment. Ok. Let's go. Ah, il y a un truc de la map, c'est cool ça. Let's go les mecs. Ouais. Alors, ce que je me demande c'est est-ce que le Cops and Crime c'est mieux fait ou est-ce que celui-là est mieux fait? Alors ils ont les mêmes façons d'indiquer les points. Bon, dans CS c'est indiqué comme ça, hein, donc je veux dire, y a pas vraiment de copie. Mais la différence là c'est que je voyais pas la boutique directement, donc je sais pas comment on achète les trucs, on verra bien. J'aurais dû voir comment ça se joue aussi. Comment les armes se jouent. Alors les textures sont mieux faites chez Hypixel, je vois bien, ah ouais. Ok, je me suis fait défoncer. Ça c'est fait. Et c'est une bombe ça? Ah non, c'est mon truc anti-bombe. Ah non, c'est moi qui avais la bombe, ok. J'ai fait le fifou là. En fait je savais pas, mais j'avais la bombe. C'est la première fois que j'y joue, ne me gueulez pas dessus. J'avais la bombe, donc j'ai fait une erreur, j'aurais dû poser la bombe. A mon avis, mes coéquipiers vont pas être contents. Désolé les mecs. Ah, quelqu'un a droppé la bombe? En plus de moi? Ah oui, elle est là. Est-ce qu'il reste des gens? J'ai pas l'impression. Ah, des antiterroristes. Ah là là. C'est con. C'est tellement con. Ouais, ils ont la bombe. Ils vont juste la surveiller, ils vont attendre la fin du round. Il reste 26 secondes. No scope. Ils discutent entre eux. No scoping. D'autres des amis, je pense. Oh. Nice. Il a réussi à résister. Il a quoi comme arme? Ah, c'est un AK-47, ça, je pense. Bombe not found. Du coup, je sais pas comment on achète des trucs. Ah, ok. Il suffit d'ouvrir l'inventaire. Okay. C'est même plus facile, en fait. Cool. J'aime. J'aime assez bien. Par contre, je sais pas combien d'argent j'ai, donc je vais essayer d'acheter genre un SMG ou autre chose. Ok, donc on va partir directement. Qu'est-ce que tu fais, toi? Allez, on va suivre la bombe. Ça, c'est bien, on peut voir qui a la bombe. Ça, c'est cool. Je vais avancer. Hop, est-ce qu'il y a du bleu? Je ne vois pas de bleu. Ça tire de partout. Oh non! Oh! Le AK-47, ça fait un peu mal. Le problème, c'est que je suis arrivé dans une partie, mais ils ont déjà fait quelques rounds, donc forcément, je peux pas acheter des armes pour eux. Hop, bien joué. Ah non, 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 non. Ouh, est-ce qu'il va y arriver?
Pas vraiment, je pense pas, non, il y a trop de monde là. Oh, il a balancé une bombe de feu. Ah, c'est pas con ça. Donc, même s'il est mort, ils peuvent pas atteindre la bombe. Intelligent. Après, ouais, ça ne dure pas assez longtemps. Ils vont la diffuse. Je me demande comment la diffuse. Ils ont l'air de devoir faire des coups dessus pour la diffuse. C'est un peu plus facile. Je préfère l'approche d'Hypixel à ce niveau-là. Mais le store ici a l'air d'être mieux fait, à part que je ne vois pas combien j'ai d'argent. Je ne vois pas du tout. Ma foi. Et qu'est-ce que je peux prendre? Je peux prendre ça, ok. Ok, bon, on va aller essayer de faire quelque chose cette fois-ci. Qui a la bombe? C'est celui qui est devant qui a la bombe, ok. On va le suivre, on va le protéger. Essayer de ne pas se faire avoir cette fois-ci. Essayer de pas faire le noob de l'équipe parce que c'est un peu ce que je fais en ce moment. What? D'où ça vient? Ok, ça venait de derrière. Run for your life! Run for your life! Aïe! Courez les mecs! Courez! Oh! Ouh, j'en ai un! Ça tire bizarrement cette arme. Et j'ai plus de munitions, ok. Oh, dommage. J'en ai eu un, j'en ai eu un. J'en ai eu un. Et où est la bombe? Je ne vois pas la bombe. Elle est là, ok. Bon, on a perdu. Si encore il était de l'autre côté avec la bombe, il aurait pu faire quelque chose, mais là, c'est pas possible. Les SWAT ont gagné, évidemment. Ok, ben je l'aime assez bien. Il a aussi... Globalement, je le trouve aussi bien que celui d'Hypixel. Et je préfère même le magasin qui est plus facile d'accès. Juste que je ne vois pas combien j'ai d'argent, c'est ça le problème. Ça devrait être affiché dans le scoreboard. C'est peut-être affiché quelque part que je ne le vois pas en fait, c'est ça le problème. Ok, bon, on va suivre la bombe, j'ai l'impression que c'est le mec juste devant moi. On va le protéger. Par contre, les tirs d'armes sont beaucoup plus puissants, on les entend beaucoup plus. Et je préfère quand même comment se jouent les armes dans Hypixel, je sais pas. Ok, c'était une smoke, je préfère la smoke d'Hypixel aussi. Il va pas se traverser la fumée à mon avis. Dès que la fumée s'arrête, je tire pour voir ce qui se passe. Allez, 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 allez. Ok, y a rien. Il est parti. Évidemment. Ok, on est au site A. Il suffit de planter la bombe, les mecs. Oh, fuck. Est-ce que je... Non, j'ai pas eu. Mais il l'a eu. Ok, bon, c'est bien fait. D'où il est sorti en fait? Non, mais c'était vraiment bizarre là. Il a dû faire le tour et arriver par derrière. Pas con. Ça doit être ça à mon avis. Ok, on va prendre les gilets et tout ça, comme d'habitude. Je vais prendre cette arme-là. Elle a l'air d'être puissante, même si je m'y connais pas du tout. Qui a drop la bombe? Reprenez la bombe, j'ai pas envie de prendre la bombe. Je ne veux pas ce fardeau. Je ne le veux pas. Non merci. Ouais, les armes tirent fort. Avant, dans les pixels, on entend, c'est dirigé le son. Là, on l'entend globalement. Donc dans Hypixel, on peut savoir d'où vient un bruit, alors que là on a l'impression que ça vient juste d'un peu n'importe où en fait. On va surveiller ce coin, on est pas mal en plus. Oh, on va peut-être arriver à faire une bombe, pour une fois. Ok, je surveille mes arrières, je surveille en même temps de leur côté. Hop. Ouais. Ah, on est bien parti là, je pense. À moins qu'ils arrivent d'un coup. Ah, ah, ah. Oh, il se cache. Prends-toi ça, toi. Ah, ok, c'est pas très précis cette arme. Je surveille mes arrières aussi parce que là. Oh non. Ah. Dommage. Ouais, cette arme-là n'est pas très bonne. Je vais prendre le bon vieux AK qui est beaucoup mieux. C'est une valeur sûre le AK. Faut bien l'avouer. Alors, AK-47, voilà. Salut les mecs. Let's go. Je suis tout le monde, moi. J'ai pas la bombe. Cool. J'ai pas envie d'avoir la responsabilité d'avoir la bombe, c'est surtout ça. Allez. On est un peu trop réunis, là. J'aime pas trop, parce qu'un mec pourra avoir facilement un bon nombre de kills facilement. Là. What? Qu'est-ce qui se passe? Ça vient de là en bas. Oh. J'ai réussi à en avoir. Ouh. Deux grenades. What? Je me suis fait toucher par la grenade ici. Un peu abusé. Abusé. Bon, on s'en fout, on continue. Je sais pas qui a la bombe, ça doit être le mec derrière, ok.
Ok. On va se mettre par ici. Et on va surveiller cette entrée. On n'est pas trop mal ici, j'aime bien. Bombe plantée. Enfin, faut que j'arrête de dire plantée, elle a été mise en place plutôt. Ok. Allez mec, il suffit de défendre. Je sais pas si shifté fait grand chose, mais bon, on va défendre. Et évidemment. Oui, il me restait qu'un demi quand même, c'est un peu garanti. Ok. Est-ce qu'ils vont réussir? Allez, coéquipier. Ah non, là c'est fichu. Ils se débrouillent, hein, les SWAT dans cette équipe. Je suis arrivé dans la mauvaise équipe, ça doit être ça. Il y a combien de SWAT et de notre équipe? Je sais même pas. Il y a peut-être le problème d'iPixel. Des fois, derrière iPixel, vous vous retrouvez avec des équipes qui sont plus nombreuses d'un côté que de l'autre. Ce qui est un peu déséquilibré dans Counter-Strike. Mais bon. Ah, ils ont réussi à la diffuser, attends. Fuck. Dommage. Hop. Du coup. Truc habituel. Le AK-47. Hop. Ah, ils me disent l'argent que j'ai quand je veux acheter quelque chose. Bien que je le préférais dans le menu à droite, mais bon. Let's go. On va essayer de pas se faire avoir cette fois-ci. Ok, il se passe quelque chose. Est-ce que j'arrive à en avoir un? Ouh, j'ai réussi à tirer quelques fois sur un mec, mais rien de bien. Rien de bien méchant quoi. Hop, je vais recharger. Je tire au hasard, je sais pas, peut-être que je vais réussir à tuer un genre. Un mec. Oh, par derrière évidemment. C'était garanti. Je recharge. Ok, ils l'ont eu. Cool. Mais il faut surveiller aussi ce côté-là, parce qu'à mon avis, ils vont arriver. Et évidemment, je me suis fait avoir par une grenade. Genius! Je préfère quand même comment réagissent ces grenades sur iPixel. Ils réagissent plus. Je me fais moins avoir par des grenades bêtement quand je suis caché fort, par exemple. Là, j'ai l'impression qu'ils ont géré plus rapidement. Et puis, je dois bien dire que les armes ont l'air plus précises sur iPixel. Parce que là, je tirais à quelques mètres, je voyais déjà les balles déviées de limite 1 mètre, quoi. Ce qui est un peu abusé quand même. Mais bon. Il est quand même fun. Y'a pas à dire. Oh, ok. Est-ce qu'il y a des mecs? Pas de mecs? Y'a des mecs? Y'a pas de mecs? Y'a des mecs? Y'a pas de mecs? Ça a l'air d'être bon. Où est la bombe? Où est la bombe? La bombe est partie par là. La bombe est en dessous. Ok. Bon, on va suivre la bombe. Même si c'est du suicide. On va la suivre quand même. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Oh, y'a des gens qui pourraient arriver de partout ici. Je le sens mal. Ok. Est-ce que j'ai... Ouais, la bombe, elle est pas là, la bombe? J'ai une grenade, en tout cas. Ah, ok. Je me suis totalement trompé sur où était la bombe. Mais au moins, j'avais eu un ennemi. Même si on a perdu un allié. J'aurais bien voulu le sauver. Ok. Bon, ça en fait deux, ma foi. On va continuer, ma foi. Ok, je vais passer par ce tunnel. J'ai pas trop le choix en même temps. Oh! La vache! Est-ce que j'ai... Ah, j'ai pas vu la grenade. J'ai... Ah, ce silence de chat, c'est un peu bizarre. Ouais, j'ai fait deux kills quand même. Oh, ça va, quoi, tranquille. On va quitter le jeu, parce que c'est un peu le même jeu que d'habitude, donc bon. Et le pack de textures bug, évidemment, il reste enclenché. Faut vous déconnecter si ça arrive. Et vous reconnecter. Alors, je suis sur le US en ce moment, parce que le U, il y a vraiment pas beaucoup de joueurs, des fois, surtout en soirée. Donc, ouais, c'est un peu embêtant pour lancer des parties. Ok, donc ça, c'était le Mind Strike. Il y a, donc, lui, en nouveau. Et il y a encore d'autres nouveautés. Alors, il me semble qu'il y en a un... Oui, il y a beaucoup plus de jeux ici. Donc ça, c'est l'arcade. Donc vous avez Micro Battle. Je sais pas trop ce que c'est, donc on va tester. Vous avez le Death Stack, que je n'avais pas testé, il me semble, mais que je ne dois pas aimer, parce que j'ai dû tester moi-même en solo. Le Runner, ça vous connaissez. Et puis le Sneaky Assassins. Donc je pense qu'on va tester d'abord le Micro Battle. Et on va voir ce que ça donne, tout simplement. Alors... Deux games de rempli, on peut join quand c'est rempli, ça c'est cool. Et il y a quatre équipes, ok, on va prendre la rouge, et j'aimerais bien... Ça commence en 6 secondes, il me faut un truc, fighter, je veux me fighter.
Ok. 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 Ah, ok. Ah, c'est un mini walls. What? C'est un mini walls. Ok. C'est vraiment ça. C'est un mini walls. Bon, ben, je vais faire mon rôle de fighter, ma foi. Fuck you. Est-ce qu'on peut attaquer? J'ai pas l'impression qu'on puisse attaquer. Ok. Ah si, on peut attaquer. Ça faisait des drôles de briques, donc j'étais pas sûr. Ok, voilà, ça c'est fait. On va venir défendre notre coéquipier. C'est notre but. Oh, ça fait mal. Non, je vais crever. Aidez-moi. Ok, ok. Je croyais que la pomme allait me régénérer, mais non. Ok, donc il faut se mettre au-dessus. Je commence à comprendre les stratégies. Ah, on a un coéquipier là. Donc ça va se jouer entre les bleus et les rouges, on dirait. Bien qu'il y a des jaunes encore en vie. Bah voyons. Bon, je sais pas pourquoi ils mettent des blocs dans la lave, parce qu'un saut de 3 de largeur, c'est pas très dur à faire. Bon, après, ça stresse les gens, ma foi. C'est pas plus mal. Oh, un archer. Ok. Est-ce qu'il se fait... Hein? What? Ah non, c'est les verts, ça. J'ai vu de loin, j'ai confondu avec les rouges. Ok. Donc en fait, notre équipe est complètement à la ramasse. C'est peut-être parce que je me suis sauvé un peu partout. J'aurais dû récolter des blocs et monter là-haut, apparemment. C'est un truc de campeur. J'aime pas trop ça. Ah, on peut réparer la lave à la physique aussi, donc c'est pas mal, j'aime bien. Ouais, et ça se joue assez rapidement. J'aime assez bien, mais ça reste... Wow, ok, ça c'est bizarre. Ça reste quand même un mini-walls. C'est... Voilà. Ok, que... Ah oui! Plus le... Pour éviter que la bataille dure trop longtemps, il y a la map qui se réduit en taille. Nice. Non mais c'est vraiment pas mal. J'aime le principe de réduire la taille de l'arène quand ça dure trop longtemps. J'aime pas les campeurs. Par exemple l'équipe verte là, descendez quoi, vous êtes assez nombreux pour défoncer tout le monde quoi. Et voilà, vous allez vous faire avoir par derrière, bande de cons. C'est ça le pire, c'est ils campent mais ils sont même pas capables de camper correctement. Oh, ils l'ont quand même eu. Mais bon, il y a leur ami qui est en bas. Tape-le! 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 Yes! Est-ce qu'il y en a un qui va... J'en ai vu un? Non, il va pas monter par derrière. Il y a le rouge qui descend, vas-y le rouge. Tu peux le faire. Tu peux le faire. Ah non, il va se faire violer, ok. Au revoir, rouge. Ah, ah! Ouh! Oh! Oh, dommage. Ouh! Ok, l'autre s'est fait avoir par un coup d'arc. Ah, ils ont vraiment profité, là. Et lui, il est coincé dans son petit truc, là, à rien faire. Je te conseillerais de bouger bientôt, parce que là, tu vas avoir un petit problème. Ouh, ouais, tu vas avoir bientôt un petit problème. Ok, il a bougé. Ah, non, 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 vas-y, reste là. Oh, ça aurait été marrant. Oh, dommage, j'aurais bien voulu voir ça. J'aurais bien voulu le voir tomber dans le vide, comme un con, parce qu'il est resté trop sur le côté. Sortie sympa. Ouh, il se fait avoir à l'arc. Ouais, les verts ont campé dès le début, donc bon. Enfin, ça a l'air de jeu... C'est une stratégie comme les autres, apparemment, dans ce jeu-là. Je préfère quand même aller directement attaquer les ennemis, mais bon. Surtout, il y a une phase où ils s'amusent à récolter des blocs, donc il y a moyen de les attaquer assez facilement. Red and Yellow versus Green. Yes. Ah, il y a encore un rouge. Ok, il s'était caché. Ok. Allez, le Yellow, fais quelque chose. La map devrait se réduire quand même plus vite, parce que là, ça prend un peu de temps. Bien que ça a l'air d'aller de plus en plus vite, en fait. Je ne sais pas. Non, ça a l'air d'être à la même vitesse. C'est juste que comme le radius de la map est plus petit, bah, ça paraît aller plus vite. Ça doit être ça, c'est mon avis. Allez les greens, descendez, allez vous battre. Faites quelque chose. Ah. Ok. J'aime bien le jaune, il a une bonne mentalité. Il se balade, il leur montre qui est le chef. Et il est pas con, il laisse le... Ah non, là il est con en fait, il est tombé comme un con, mais il est pas con parce qu'il laissait le rouge attaquer les verts. Ah, dommage. Ah, dommage. On va en refaire une, c'est fun. Et que j'ai envie de voir une vraie équipe gagner. Enfin, j'ai envie de voir un vrai match et pas juste un mec qui reste coincé dans un truc. On va prendre le rouge parce que j'aime bien le rouge. Et on va prendre les fighters. Le fighter, parce que je préfère le fighter. Ok. Devrait pas... Ouais, on a 13 joueurs, ça devrait démarrer assez vite, je pense.
57 secondes. Comme d'habitude, ça prend du temps. Du coup, je vais couper le temps que ça démarre. Et en même temps, je vais voir le temps du record. Donc, on se retrouve tout de suite. Ah, ça a diminué, c'est pas grave. On se retrouve tout de suite. Ok, ça va démarrer. Ouh, la map est encore plus simple. Quand je disais qu'ils faisaient pas beaucoup d'efforts pour les maps dans les des précédents épisodes, ben, c'est toujours le cas apparemment. Hein. Dommage. Ok. On va récolter quelques blocs, histoire de faire quelque chose. Ok, il y a les murs qui sont tombés. On va surveiller nos coéquipiers. Toi, tu vas dégager l'archer. Ok, je l'ai eu, je me casse. C'est bon. Voilà, j'ai failli me faire avoir par le lag. Le problème, c'est que j'ai du ping, vu que je suis. Comme j'ai dit, je joue sur un serveur IAS, donc j'ai du ping. Ok, ça devient dangereux ici. Ça devient très dangereux. J'aime pas ça. Il y a beaucoup de bleu, beaucoup trop de bleu. Si je les vois approcher, je me sauve. Ouais, les bleus sont puissants là. Si les autres on pouvait s'allier contre eux, ce serait pas plus. Oh, il y a des mecs en dessous là. Ok. Oh, oh non! J'ai pas regardé où j'allais. Ok, c'est comme ça qu'il s'est fait avoir l'autre. Ah, dommage. Ok. Ils ont fait des passages souterrains. Ou alors il y a déjà des passages souterrains parce qu'ils ont l'air d'avoir creusé vite quand même. Où est-ce qu'ils ont fait ça? Ils ont dû reboucher là. Ouais, ils ont dû reboucher leur passage souterrain. Est-ce qu'on arrive à. Ouais, on les voit, ils sont là. Ah, j'aime pas ça. Et en plus, ils shift. C'est dommage, le principe du jeu est pas mal. Parce que même le Walls de base prend pas mal de temps à jouer. Et le principe est pas mal, mais c'est un peu gâché par les. Par le fait qu'on puisse casser les blocs au final, je trouve. Ok. Mais il faut aller déloger les mecs en dessous là. Allez-y, creusez. En plus, ils ont fait un sacré réseau là. Ils sont. Ah non, ok. Là, il y en a d'autres qui ont creusé. On va aller voir ce qui se passe. Salut. Et voilà. GG. Les bleus ont bien joué, je trouve. Ils ont joué correctement. Ils sont restés là. Ils ont été directement chercher les ennemis. Donc ça va. On va quitter le jeu parce que. Il est quand même pas. Il y a quand même des petits problèmes d'équilibrage, je trouve. Ou plutôt de comportement des joueurs. On va essayer le sneaky assassin, justement. Tiens, que je voulais essayer. Hop. Vite fait. Alors, il n'y a qu'une team. Ok. Alors, il y aura une autre vidéo mini-jeu ou autre chose dimanche. Je ne sais pas encore ce que ce sera. Donc, on verra bien. Range. Donc, c'est à distance. Escape artist. Je ne sais pas ce que c'est. Revealer. What? Je peux prendre ça? Non. Bon, on va prendre ça, alors. Ok. J'ai pris un range et j'ai pas d'arc. Je sais pas comment ça se joue. Comment ça se joue? Ah, il y a d'autres joueurs. Faut les tuer ou quoi? Qu'est-ce qu'il faut faire? Ok. Ah! Il faut tuer les autres joueurs, j'ai l'impression. Ok, ça c'est un joueur. Je le sais. Lui, c'est un joueur. Il sauve et tout. Faut le suivre. Faut le suivre. Lui, là. Je te suis. Tu ne me trompes pas. Oui, j'en ai eu un. Yes. Donc, en fait, faut agir comme un villageois. Je suis un villageois. Vous ne me trouverez pas. Lui, ça a pas l'air d'être un villageois, ce mec-là. Non, c'est un villageois. Ok, il y a du lag. Ça, j'aime pas. Power up, spawning. Ouh. Ok. Ok, là ça va révéler les joueurs. Ah, j'aime vraiment bien ce jeu, il est pas mal. C'est un bon petit principe de cacher les joueurs comme ça et devoir les découvrir. Ok, il y a du lag encore, ça va pas le faire. Je vais me prendre des dégâts, il y avait un autre joueur à côté. Pratiquement sûr là. Voilà. Ok, non, ça va. C'est la masse de villageois qui n'aident pas, à mon avis. Il y en a d'ailleurs énormément. Alors, j'entends du bruit, quelque part. Je ne sais pas où. Est-ce qu'on peut acheter des trucs? Je vois des échoppes. Je crois pas qu'on puisse acheter. Ce serait pratique. T-shirt.
9$ par t-shirt. Non, c'est trop cher. Allez. Ah, ok, y a un autre mec qui est joué mort. Avec le problème des likes. C'est juste les likes qui tuent un peu le jeu. Sinon, le jeu est vraiment sympa. J'entends du bruit par là. Ok, là, un joueur. What? J'ai plus rien vu là d'un coup. Ok. On va voir. Je vais continuer d'avancer bêtement. Mais je sais pas où sont les autres joueurs. Encore du lag. Et à chaque fois ça fait power spawner. Bizarre. Ah, là il y a de l'action. Eh les mecs, laissez-moi participer. Je veux m'amuser moi aussi. Là, ça c'est. Ça c'est. Ça c'est un joueur. Sûr. Sûr et certain. Reviens là. Reviens. 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 Yes! J'ai l'impression qu'il y a moins de villageois au fil du temps, mais ça me donne parce que les joueurs les tuent en fait. Bon, il y a la technique de tuer les villageois, de taper les villageois, voir s'ils font des trucs de mécontentement, mais sinon il y a la technique de juste attendre qu'un mec tape un villageois et vous voyez qu'il tape un villageois. Je préfère ça. Oh, ok. Qui a fait ça? Il y a un qui tape les villageois. Ok. Je soupçonne tout le monde. Toi là. Oui, j'en ai un. Non, il y en a un autre. Lui, c'est lui. C'est lui, c'est lui, c'est lui. Yes. On va se mêler à la masse, faire comme si de rien n'était. Voilà, là où il y a beaucoup de villageois. Tourner comme un con. Voilà. Le temps de régène, c'est surtout ça, parce que je peux plus faire de bataille là. Et puis après on va aller s'en refaire un autre. Je suis un gentil villageois. Ne m'attaquez pas. Ok, ça c'est un joueur. Ok, smoke screen pour se sauver, évidemment. Dommage. Player revealed. Là, je vois un joueur. Je vois un joueur. Oh, il a utilisé un smoke screen. Non, il est là. Ok. Ah non, il est là. Je le vois. Il est là. Oui, j'ai réussi à le suivre. Je vais plus le taper, le laisser croire qu'il a réussi à se sauver. Et puis, je vais continuer à l'attaquer. Quand je serai plus proche de lui. Genre comme ça. Hop. Yes! J'aime ce jeu, je me débrouille bien en plus. C'est cool. Je me demande si on respawn, à mon avis non. Non, à mon avis on doit pas enfin si on doit respawn à mon avis. Ou pas en fait, je sais pas. Non, j'ai pas l'impression, il y a beaucoup moins de joueurs en fait. On a quand même un score. J'aimerais bien qu'ils révèlent les joueurs là. Il y en a qui ont quit. D'autres ceux qui sont morts. Ok. Toi t'as un déplacement bizarre. Non, t'es un villageois. Ok. Ah, ok, on est révélé. Où sont les autres? J'en entends un par là. Où tu es? Où tu es? Montre-toi. Il est par là. Je l'entends de plus en plus. Non, ça c'est un villageois normal. Lui, non. Ok, il y a des petits raccourcis pour passer plus vite. Ça c'est pratique. Non. Ah! Où êtes-vous? Je vais taper au hasard maintenant, c'est plus facile limite. Ok. Je révèle ma position, mais bon. Où êtes-vous? Il y a un bloc différent là, c'est bizarre. Ça me perturbe. Allez, 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 montrez-vous. Ah, en fin de jeu, il faudrait révéler plus la position des joueurs quand même. Parce que là, ça prend un peu de temps. Ça va à la même vitesse pour révéler les joueurs à chaque fois, et du coup, comme il y a beaucoup moins de joueurs, bah, c'est dur de trouver les autres joueurs. Player revealed. Ok. Est-ce qu'il y a un joueur? Je ne vois pas de joueur. J'en ai pas vu du tout. J'en ai pas vu du tout, donc il doit être de ce côté-là. Là, il y a un mec là-haut. C'est louche. Très louche. C'est même très très louche. C'est même... What? Comment il a réussi à... cet endroit.
Ça sent le cheater. Ça sent énormément le cheater. C'est pas possible, il n'y a pas d'endroit où monter. Quoique là, il y a un endroit. Si on monte sur cet établi, qu'on monte sur celui-là. Ok, j'essaie de retracer par où il a pu monter pour faire la même chose. Mais je n'arrive pas à voir. Depuis là, ah, cette pile de pistons, il aurait bien pu arriver à monter. Yep, comme ça. Ok. Ah non, même là, je ne sais pas comment il a fait. Ah, ça sent le cheat. Je voudrais pas dire, mais ça sent... Ça sent le cheat, là. What? Il s'est TP et tout? Non, là, c'est... Ouais, il a même disparu, en fait. Est-ce qu'il a fait des particules? Je ne sais pas. C'est un joueur, ça, c'est pas possible. C'est pas possible, il bouge pas. C'est un joueur. Ouais, il est... Ils ont dit aussi... Quand quelqu'un est en train de camper. Ah, oh, dommage. Vas-y, sors de ta position de camp. Il utilise un screen maintenant, quoi. Ah... Oh non, ce genre de comportement, c'est vraiment dégueulasse, quoi. Nope, ça marche pas. Utilise tes screens, vas-y. Il se passe quelque chose là-bas, je ne sais pas quoi, mais il se passe quelque chose. Oh, mais c'est ça le campeur, quoi. Ouais, c'est bien, joueur. Ah, c'est vraiment dommage. Je veux du fight. Où sont les autres joueurs? Est-ce que c'est un autre joueur? Non. Est-ce que c'est un autre joueur? Non. Oui. Non. Dommage. Ah, c'est vraiment dommage, quoi. Tout ça à cause d'un campeur. Bon, bah, on va essayer de trouver les autres joueurs, ma foi. J'en entends un par là. Oh, oh, oh. Ah non, ok, c'est une sorte de bonus qui a dû tomber. Et je vois ce joueur qui a couru dessus. Ok, c'est bon. Vibe 00, 2007. Ah, il a décampé. Ok, il a arrêté de camper. Et il s'est fait avoir directement. Nice. J'aime. Ok, il y a un bonus qui va tomber là-bas. Je suppose que d'autres joueurs vont vouloir y aller. Donc on va aller le récupérer. Ok. Oh, j'ai une meilleure épée. Nice. Ninja? Je pense qu'il parle de moi. Je suis un ninja. Je suis ninja. Ah! Là, il a disparu. J'ai vu ce joueur disparaître. Mais oui, est-ce qu'il est passé? Il y a un autre bonus qui va tomber, on va aller le récupérer. Je vois un joueur y aller. Je suis sûr que c'est un joueur. Fou, j'ai encore plus de power-up. Là, je vois un... Non, ce villageois, il est... Non, il était normal. Ok, bon, on va commencer à tuer les villageois. On verra bien s'il y a un autre joueur. Tous les villageois qui bougent un peu de trop, on est top. Hop. Est-ce qu'on peut les tuer, je me demande. Un autre bonus. Allons le récupérer. Vite, vite, vite. C'est encore un power-up. Il peut en faire. Il se cache apparemment. Oh, mais non, on te cache pas, quoi. Montre-toi. Montre-toi. Si cette partie dure trop longtemps, je la mettrai dans un autre épisode, plutôt. Parce que j'avais déjà fait 20 minutes de vidéo avant. Donc je ferai 2 fois 20 minutes, ma foi. Ah, un autre bonus? Je veux. Plus j'ai de bonus, plus je suis content. Mais c'est bien cette histoire de bonus qui rend les joueurs plus puissants vers la fin. Comme ça permet d'aller plus vite. Ok, ça c'était un joueur. Sans hésiter. Et j'ai l'épée en diams. Ou alors c'était un villageois qui vient de mourir, en fait. Ok. Il n'y a plus de villageois, j'ai l'impression. Ils ont dû révéler tous les trucs. Ok, je vais avoir le bonus, peut-être. Approcher, approcher. 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 Je vous attends, moi, le mec. Je vais prendre le bonus. Je sais pas ce que j'ai déjà une épée en diams. Qu'est-ce que je vais avoir? Je me demande. Un tracker. Yes. Ça, c'est juste tellement bien, quoi.
Ah, j'ai vu, il y a quelqu'un ici. Tu ne me... Tu te cacheras plus maintenant, j'ai un tracker. C'est inutile, le mec. Ah, c'est bien ça, mais il devrait le mettre plus tôt, je trouve. Ok, la prochaine personne est près du bonus. Dommage pour lui, mais c'est moi qui vais le récupérer. Ah non, je peux plus en récupérer, ok. Donc je suis au maximum. Oh, il est toujours là-haut. Il est toujours là-haut, quoi. Mais avec l'épée que j'ai, je pourrais le lui faire beaucoup plus mal que ce qu'il pourrait régénérer. Donc je vais essayer. Mais il est toujours là-haut, quoi. Et voilà, ça c'est fait. J'ai eu finalement. Mais j'ai un administrateur de Mindplex. Je croyais en fait qu'il avait cheaté, mais en fait il y a une manière logique de monter dessus. Je suis sûr que d'autres l'avaient remarqué dans l'épisode. Donc ouais, voilà, ce sera tout pour cette vidéo du coup. Parce que. Amis Arm 32 qui aura pris tout le temps. Hop, moi je quitte évidemment. Je vais le laisser faire son petit cheat tranquillement. Enfin, c'est pas tellement du cheat, là c'est du camp. Clairement du camp. Mais je croyais qu'il avait utilisé un flyhack pour monter là-haut. Mais apparemment non. Donc c'est juste un mauvais comportement quoi. Donc c'est clair que ça n'aurait pas marché de le report. Parce que c'est legit de pouvoir monter là. Même s'il devrait pas mettre ce genre de truc legit. Parce que ça, évidemment, amène à ce genre de situation quoi. Surtout qu'on peut monter assez facilement au final. Il suffit juste de regarder. Oh, c'est con. Du coup, ce sera tout pour cette vidéo. Du coup, je vais certainement séparer en deux. Donc, ouais, je referai une intro pour l'autre vidéo. Ma foi. Comme ça, c'est plus simple. Donc, ouais, du coup, ce sera tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à aller... Enfin, pour cette vidéo, je referai une intro. N'hésitez pas à laisser votre avis, que ce soit en pouce bleu, pouce rouge ou en commentaire. Je vous retrouve pour un prochain épisode. Salut à tous!